leadership skills are going to serve them throughout the rest of their life. If we can build strong leaders, we build strong Canadians. Twelve months ago, the Cadet and Junior Canadian Ranger program joined the world in responding to an unprecedented challenge to our health and community. The risk associated with COVID-19 could not be ignored. All of us saw changes made in our lives and routine. En tant que cadet, le grand changement a été que nous avons dû interrompre notre formation en personne. Cela ne signifie pas que nous avons cessé l'entraînement, mais plutôt que nous nous sommes réunis différemment, que nous avons appris différemment et que nous avons interagi différemment. But we are strong and resilient. Just listen how we adapted. So I had this big, glorious plan of everything that I wanted to accomplish and how I wanted to make changes to the program. And then I'm like, cool, we're going to do this virtually. We have to rearrange absolutely everything. And anything that you thought you knew is out the door. I think I've become a better leader just because if I'm able to lead a bunch of cadets just over a screen, then you can lead them through anything, right? Avec la pandémie, j'ai développé mon aspect de résilience, de vraiment pouvoir s'adapter puis garder ma motivation à travers tout ça, de ne pas perdre espoir, de continuer à y aller puis à se forcer à continuer à participer aux activités, là, sachant que ça l'a. C'était, oui, plus plaisant avant la pandémie, mais sachant le beau résultat là, qu'il y a à la fin derrière tout ça. Our RSM, BSM have really stepped up. They've kept in touch with their cadets. They've kept them engaged. I definitely learned to connect more with the people around me. S'adapter à ces changements-là. Évidemment, c'était pas très facile, mais je peux dire qu'à la fin, je ne regrette pas tout ce qu'on a fait pour arriver à cette étape-là, puisque ça va nous servir aussi à beaucoup dans le futur. Comme chacun d'entre eux, j'ai également dû relever des défis, mais je suis restée motivée et active. J'ai même suivi une formation de comment devenir un cadet reporter, et ce, à partir de chez moi. Bien sûr, j'ai hâte de retourner à la formation en personne lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. For me, I can't wait to go back on the field with the cadet reporting team. But there's a lot of other options. When I do return back to cadet regular training, then I would definitely appreciate the training way more than I did before. Cadets just gave me so many opportunities that I can apply to my normal life, like the leadership skills that they've taught me. I had so many unique experiences that I might never have again as a cadet or just in general. Jusqu'à présent, ça a toujours été virtuel pour moi, mes camps d'été, mais j'aimerais faire une 6 semaines de survie, puisque tout l'aspect de survie, ça m'intéresse beaucoup, ça a toujours été attirant pour moi. Thank you for being a part of my extended cadet family. I'm excited to see what we'll get to do together going forward. Well, I have certainly become more tech savvy. So that's exciting. Poor Naval Cadet Saruji, like I feel like every week I'm sending him a message being like, how do I add this to the classroom? Like a much older lady than what I actually am.